prend la parole. Parce que, ou bien imbu de ça qui passait, ou comprendre de ça qui a passé, c'est récemment que nous avons parlé ensemble avec madame. Moi, madame, moi, dit tout ça me fait pas bon. Faut-nous faire ça? Madame, moi, dit tout ça me fait pas bon. Mais ça ne fait pas bon. Mais ça ne fait pas bon. À ce moment-là, je m'étais en silence. Je pas lâché au mot. Madame, moi, dit, mais ça ne fait pas bon. Mais ça ne fait pas bon. Mais ça ne fait pas bon. Et puis l'un film parlait, moi un jour je pas réagi. Pendant deux jours, moi je pas réagi. Parce que le leader ou pas doué réagir, ipso facto, les gens font un bagage qui mal. Pendant deux jours, je pas réagi. Pendant trois jours, je pas réagi. Et quatrième jour, je réagi. Je dis, mon cher, tout soit diable. Yo bon, oui. Soit diable, c'est vrai. Mon gens m'en fout ben vrai. Mon gens pas prend bail au sérieux, pas gain temps. Par exemple, mes amis, ils disent, you are too addicted to PC, to internet. Ils disent, faut prier bon Dieu pour bail ça. À ce bail ça son péché parce qu'on pas gain temps pour Chilo ou pas gain temps pour moi. Faut maximum yo. C'est pour nous apprendre sagesse ça. Il dit comme ça. Moi, je crois que, ouais, d'après tout ça, nous sommes dit, nous pas doué, il y a un monde qui est prétentieux. Deuxième catégorie de monde, nous, dans le texte là, c'est une personne végétative. C'est ça, nous, dans le texte là. Il dit, sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Une personne végétative, c'est une personne qui est en coma. Qui pas mourir, mais qui est en coma. Dis, monde qui est à côté là, réveillez-vous. Réveillez-vous. Monitez les quoi du dimanche, réveillez-vous parce que les quoi du dimanche en tant qu'ils apprêtent de mourir. Réveillez-vous, frère Michel. Réveillez-vous, ce ma participer dans le monde parce que les lèvres sales se lèvent en famille. Excusez-moi parce que participer dans le monde. Réveillez-vous parce que maman, parce que les quoi du dimanche en tant qu'ils a des problèmes. Réveillez-vous, soeur. Ceux qui l'appellent. Parce que Corala par réunion encore. Les messages de la famille. Faut prendre responsabilité ou pas qu'attendre pour Grapoa qui sous-diféa et puis diféa monter pour mourir sous-diféa. Tandis que mon Dieu mettez la caille au bagaille au bout de fer. Réveillons. Nous sommes un petit monde tapé, chanté là. Réveillez-nous même plus responsables pour la timonie. Parce que il faut que Timoun passe par devant pour chanter la gloire de Dieu. Et pendant que Timoun a chanté la gloire de Dieu, bénédiction qu'a sorti de Téna, tombez sous l'église. Nous devons réveiller nous. Nous devons réveiller nous. C'est très très important. C'est très très important. Texte là, c'est pas moi qui dis. Texte là clair, il dit sois vigilant. Nous y venons au carrefour côté nous doit être très très vigilant parce que reste qui était là, il est prêt pour mourir, il est en coma, nous devons réveiller avec la parole de Dieu. Réveillons pasteur Mano. Matin, je viens dans l'école dimanche à 9h05. Je ne dois pas venir à 9h05 exactement depuis à 9h15. Je dois être là. Ou bien 8h30, moi t'as doué là dans l'école du dimanche pour m'a faire préparation. Depuis à 8h30, moi t'as doué là. Parfois, c'est pas qu'on est ou pas qu'on est bagaille. Quel monde t'a dit, man, on parle ensemble avec tel monde. On dit non, on ne peut pas parler ensemble avec you monde parce que nous croyons que qu'on est ça qui vient avec ça qui mal là. Puis là, on ne peut pas faire du bon pour parler ensemble avec you monde qui déjà connaît ça qui vient avec ça qui mal là. Est-ce que vous avez dit d'en parler avec le monde qui connaît la relation madame avec Marie? Non! Je ne suis pas capable. Est-ce que vous avez parlé ensemble avec un pasteur, un diacre, qui déjà gagné un bon temps dans le ministère, un membre de l'église qui gagne un bon temps dans l'église, et puis qu'on y a la fombare qui m'a dit, connaît ça l'affaire, c'est mal lié. Il y a un bagage qui est dans le monde.
C'est quoi? Conscience. Quittez mon conscience, mon n'a pas parlé ensemble avec lui. Bien, l'autre, quittez conscience, mon n'a pas parlé ensemble avec lui, ou fait moins de dégâts. Ou fait moins de dégâts. L'autre, quittez conscience, mon n'a pas parlé ensemble avec lui, ou fait moins de dégâts. L'autre, quittez parole, mon Dieu, parlé ensemble avec mon n'a, ou fait moins de dégâts. L'autre, quittez formation, cet esprit, mon Dieu, parlé ensemble avec mon n'a, ou fait moins de dégâts. Dis moun qui a poto là, m'pa fè l'ennemi. M'pa fè l'ennemi pour moun. Parce que m'kone ou konne bon bagay pour faire. Ou konne mauvais bagay là ou doué. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire au Céleste de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Gon moun qui est doué, moun yavé à soi à l'impé. Moun n'a konne m'a chité non. Il suspecte l'invé. Nous remercions l'église de Ouster qui est venue à Soya pour venir passer ce moment d'adoration ça pour nous. Kids, I love you. You know why? I like to see young people serving the Lord. It's a blessing. And I could say it's a special blessing. Not everybody as you can serve the Lord. It has a lot. Et ça que m'a continué pour prier pour nous, mon Dieu béni nous. Sarah, I'm too proud to see you. I'm very proud of you. Keep up the good work. Nous remercions bien-aimés qui fait des places en ville à soir encore. À soir, ces dernières soirs. Ou Anéa. Et ça fait frère en fri chanter. Faut-il nous quitter sans espoir? Sans espoir de retour. C'est pour Anéa que ce soir a fini. Donc, nous dit, regardez. Bon Dieu, ça a fort, il est grand. C'est moi-même qui campe là. C'est un miracle. Il y a des temps que je ne vous dis bon Dieu, merci. On nous était tranquillement quitté pasteur à parler avec nous. Alors, en avant, moi, les pasteurs gagnent. Demain, si Dieu veut, maman Timoun, s'il vous plaît, tant pis. Fais-moi un contrat avec vous dans la salle là, à 10h. Je ne vais pas faire classe avec Dieu. Je vais demander à soeur, je vais demander à faire garer pour faire soeur, mais je vais faire classe avec moi. Pour me capable de passer un petit temps avec Timounio en répétition avant que nous rentrions avec eux. Je m'a demandé vers après message pour nous tirer tant qu'on nous fait pendant 3 soirs. Pour un petit coup de répétition et puis pour que demain nous avons un petit bail avec un petit jambier. Ok? Merci pour toute semaine, mon qui vient chaque soir. Merci pour ça qui vient à soir seulement. Merci pour ça, ma foi, demain si Dieu veut. Merci, que bon Dieu bénisse nous. Bientôt, moi, vous cachez, moi, vous. Que bon Dieu bénisse nous. The use of you now, eh? Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Ce soir, j'aimerais bien remercier le groupe Vermisseau de Jacob. Et plus particulièrement Mamie Massillon qui planifiait ma présence ici depuis 6 mois. Parfois elle m'appelle au téléphone, elle ne me trouve pas. Mais elle a su faire preuve de patience jusqu'à ce qu'elle me trouve. J'ai passé ici une excellente semaine et j'ai pu faire pas mal de découvertes. Par exemple, je vois qu'il y a une communion, un lien intrinsèque, un lien serré entre les groupes et je me demande est-ce que je ne vais pas et m'inspirer de cette communion fraternelle qui se fait sentir entre les groupes pour décrocher un doctorat. J'ai l'impression que les groupes fortifient l'église locale. Les groupes participent dans l'évangélisation, dans la prière. Parfois, nous qui sommes pasteurs, nous n'avons pas assez de temps pour que l'église locale puisse se lancer dans la croissance spirituelle. Mais j'ai pu regarder les églises locales
j'ai vu que les groupes font un travail extraordinaire. Et je me demande, est-ce que je ne vais pas faire une évaluation des groupes qui caractérisent les églises locales, soit en Haïti, soit dans la diaspora, en vue de décrocher un doctorat. Je ne sais pas si ma femme va me donner assez de temps pour écrire, parce que j'ai pas mal de sujets là. J'aime la façon dont Frère Fayot joue au guitare. Un applaudissement pour Frère Fayot. Hein? J'aime aussi ce frère bien-aimé qui nous dirigeait dans l'adoration. Frère Fritz, applaudissements pour le frère Fritz. Mais ce qui me touchait particulièrement, c'est l'avenir de l'Église qui se repose sur les jeunes. Quand les jeunes se sont glissés sur le tapis pour adorer Dieu en esprit et en vérité, it's amazing. Guys, Jean, ce bébé, t'es dit là, toujours fait bon travail, ça. En ouvrir parole, mon Dieu, dans Juges chapitre 7, jusqu'au verset 18e. Juges chapitre 7, le verset 1er, jusqu'au verset 18e. Et ensuite, nous lirons un verset que nous trouverons dans Éphésiens chapitre 6. Le verset 15e. Juste chapitre 7, le verset 1er jusqu'au verset 18e. Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi. » Et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif, qui a peur, n'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fallait descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage, celui dont je te dirai, que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tout ce qui apprend l'eau avec langue comme l'appe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui mettront à genoux pour voir. Ceux qui perdent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains, furent au nombre de 300, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour voir. L'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. On prit les vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront. » Et après cela, tes mains seront fortifiées, descends donc au camp. Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'au avant-poste du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable sur le bord de la mer. Gédéon arriva, et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il l'a retournée sens dessus dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joa, homme d'Israël. Dieu a livré en